Salut tout le monde, et bah c'est Chris de Gossy. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que on va faire les crêpes. Que vous avez super. Dis-moi dans les commentaires, vous allez faire les crêpes. Donc voilà. Alors pour les ingrédients, vous avez besoin donc 100 g de farine, 1 cl de lait demi-crémé, il faut de l'huile, de le sel, de l'huile de tournesol, le beurre, la levure chimique, un peu de sucre. Et les œufs et enfin le beurre. Donc, une fois le beurre est fondu, que je vais chercher les œufs. Alors, donc on va rajouter la levure chimique. Voilà. Oula, je m'y fous partout, c'est super. J'ai encore le beurre en train de fondre. Comme ça, on en sert à la fin. Le beurre, je vais en mettre ici. On ajoute du sel. Et un peu de sucre. Voilà. Oui! Je m'y fous partout, c'est super. Voilà. Voilà. J'ai 3 œufs. Attendez, mettre ici. Ah non. 1, 2 et 3 œufs. Et 3. Et donc, on va mélanger avec un fouet. A tout à l'heure. Une fois, on a ajouté les œufs et encore pour la farine, on ajoute du lait. Voilà. Je vais incorporer le lait. Ça, on va mettre de côté. Une dernière et après c'est bon. Donc, une fois on a ajouté le lait, voilà, hop là, donc on ajoute le beurre fondu. Donc là il est juste là, avec un temps là c'est 4 minutes. Donc, on ajoute le beurre fondu. On va encore mélanger. Que dis-moi dans les commentaires, vous avez préféré faire quoi les crêpes? Donc une fois sucrée, une fois salée. Que une fois la pâte a bien mélangé, donc on va faire la cuisson. Une fois
La pâte est faite, donc il est là-bas, du gin poil. J'ai du sopalin aussi. Et je l'ai. L'huile de tournesol, bien évidemment. Donc, on va mettre un petit peu d'huile pour faire plaisir. Hop. On va prendre un petit sopalin pour faire plaisir. Il faut que ça chauffe. Non, c'est bon. Donc voilà, on va mettre comme ça, comme ceci. On va prendre une petite louche. On voit la pâte est parfaite quand même. Tiens, on va mettre ici. La pâte dedans. Voilà, donc on attend que ça se chauffe. Regardez le résultat de les crêpes. Waouh, c'est magnifique, c'est beau. On va attendre que ça chauffe et à tout à l'heure. Une fois que la pâte ne va pas, on va faire glisser avec la spatule, bien évidemment. Donc on va retourner. Ah, ça se crame. Donc voilà, les crêpes sont réussies. Donc on se retrouve quand les autres crêpes sont terminées et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, tout de suite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-nous dans les commentaires, vous avez aimé. Je vais faire tous les autres crêpes. Et on se retrouve la semaine prochaine pour faire un gâteau yaourt. Allez, à la semaine. Allez, à samedi prochain. Salut.